Bonjour la team, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Lion King. Et je vous prie de m'excuser pour mon absence, la famille. J'étais vraiment occupé par de nombreuses choses, notamment j'ai profité pour faire une semaine de vacances. Et j'espère que vous vous portez très très bien, la famille. Bien que les championnats n'ont pas encore débuté, nous avons déjà des matchs amicaux qui sont déjà en train de se jouer. Et vous pouvez voir, pour ceux qui sont à la une de l'actualité, le match amical du Bayern de Munich qui a fait un 27-0, la famille. Je vous dis même que même dans les petits championnats du quartier, de la localité, on ne fait pas un 27-0. La famille, n'hésitez pas à liker pour vous signaler que vous êtes content de recevoir votre pronostiqueur Lion King, la famille, parce qu'on est là dorénavant pour se faire de l'argent et préparer l'arrivée des championnats le 12 août, la famille. Surtout, préparons-nous dès maintenant. La famille, j'ai constitué deux coupons aujourd'hui qui sont bien sûr des matchs amicaux. La famille, ce sont des matchs également qui ont des très très grands potentiels de chance que j'ai également publié dans le canal Telegram dont le lien est dans la description de la vidéo. La famille, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, j'ai quelque chose de très très intéressant à partager avec vous. Je dis bien, ceux qui vont rester jusqu'à la fin, suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelque chose de très intéressant que beaucoup ignorent ici. On passe d'abord, je vous présente le premier coupon qui est j'ai mis une mise probable de 70 000 francs là-dessus. Vous pouvez voir là que j'ai mis 70 000 francs là-dessus, une cote de 2, donc j'attends potentiellement 142 000 francs. La famille, vous pouvez voir, c'est constitué de 3 matchs. Le premier total, plus de 1,5 but. La famille, d'après les statistiques qui me démontrent que la première équipe aura plus de 1,5 but, on est très sûr de ceci. On vient également là sur Dynamo Tbilissi. Il faut à ne pas confondre avec notre superbe équipe de Dynamo. Cette équipe-ci n'est pas celle-là. Et ceci, après analyse technique et raisonnement, état de forme de l'équipe, nous pouvons jouer en 12. Donc l'un des deux équipes doit sortir vainqueur de cette rencontre sur la famille. On part directement également sur le dernier match de la famille. Ce sont des options que vous n'avez pas l'habitude de jouer la plupart du temps. Vous pouvez voir, but dans le temps additionnel, non. C'est-à-dire que pendant la 90e minute à la 95e maximum, 96e maximum, il n'y aura pas de but, la famille. Effectivement, ces équipes se peinent à marquer, peinent à mettre des buts, la famille. Donc, s'il n'y a pas de but pendant les premiers 15 minutes, pendant les 40 premiers 15 minutes, les 40 premières minutes, il n'y aura pas de but. Donc, voilà ainsi présenté le premier coupon de cette journée. On passe directement au second coupon, la famille. Observez, qui est une cote de 2 également, où on a mis 65 000 francs pour attendre 148 000 francs, la famille. Probablement la même, presque la même somme que le coupon passé. Vous allez voir tout simplement que le premier match, nous avons joué une victoire totale de Ludogorek, la famille, qui est également un prononcé bien analysé. Je vous rappelle ceci également, la totale plus de 1,5 but, la famille, sur le second qui suit. Après cela, on va continuer avec un match en 12 contre la HJK. Et vous dire ici que mon pronostic, s'il était en termes de victoire, je jouerais tout simplement la victoire de la HJK, la famille. Donc voilà un peu les deux pronostics de cette journée, la famille. Je vous dis bien, les codes de ces deux coupons sont disponibles dans notre canal Telegram. Et pour vous qui êtes restés jusqu'ici à la fin, j'ai toujours quelque chose de très important à vous dire. Allons tout simplement. Je sais que vous n'aimez même pas, vous ne vous côtoyez même pas avec la session des jeux One Skip, mais suivez tout simplement un tout petit peu. Donnez-moi une minute pour vous montrer quelque chose. La famille, vous suivez tout simplement ce que je viens de me dire ici. Vous avez un jeu non terminé qui reprendra lorsque vous allez cliquer sur continuer, sur OK. En effet, la famille, ce jeu va continuer et je n'ai pas achevé ce jeu tout simplement pour vous montrer une faille extraordinaire pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Et je pense qu'avec ceci, tout le monde peut se battre à avoir un capital pour déjà commencer à préparer la rentrée des championnats, la famille. Suivez attentivement. Vous pouvez voir ici que moi, ça c'est le jeu 21. Pour ceux qui ne le savent pas, on appelle ce jeu 21. Vous voyez là, c'est-à-dire qu'à 21, si celui qui traverse 21 ici là perd directement, la question est celui qui va arriver proche de 21, mais ou égal à 21, mais pas dépasser 21.
pouvez voir ici que moi, je suis déjà à 20 et le croupier ici contre qui je joue est à 13. Donc, c'est-à-dire que si je tire encore une carte actuellement aussi, je vais dépasser 21, ce qui est probable à 99% et le croupier à 13. Donc, les chances sont que ici que je vais gagner. Donc, je vais passer la main au croupier. Automatiquement, je vais gagner. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord tirer devant vous, gagner devant vous pour que vous compreniez. Donc, je vais passer la main au croupier. Observez. Passer la main au croupier. Vous avez fait un match nul, vous voyez là, j'ai fait un match nul avec le croupier. Il a joué 20 sur 20 et j'ai misé 25 000 francs parce que la faille demande à ce que on ne mette que 25 000 francs minimum. Donc si vous n'aviez pas 25 000 francs et si votre compte également n'avait pas été authentifié avec le même code promo que j'utilise, qui est celui du code promo Paris22, inutile de vous expliquer encore aujourd'hui les nombreux avantages du code promo Paris22 dans les jeux de la session One Game. C'est avec ça que je me fais du beurre. Vous allez vous demander comment je fais pour atteindre autant de millions dans les paris sportifs, tout simplement. C'est dans la session des jeux Once Game, la famille, que je vous le dise. Et surtout, tous ceux qui ont leur compte OneSbet inscrit à le code promo Paris22, allez et appliquez. Vous êtes déjà dit, pas plus de 4 pertes d'affilée. Le sens, c'est d'avoir un capital minimum nécessaire pour commencer. Donc, c'était ce que je tenais à partager avec vous. La famille, il n'y a plus assez de temps. Merci. Vous aimerez que je détaille encore plus cette faille? Laissez-moi un commentaire pour que je prépare un tutoriel sur cette faille uniquement sur les jeux 21, la famille, je vous dis bien, laissez-moi en commentaire. La famille, ciao, à la prochaine.